Tous les Français sont debout. C'est historique pour le sport français. La France est championne olympique. C'est une Française qui devient championne de ces Jeux mondiaux. Retenez bien son nom. François Ely, j'ai 34 ans. Palmarès, c'est long. Je suis championne du monde et championne paralympique. 100, 200 et bientôt la longueur. Quand on remporte les Jeux paralympiques, c'est génial, c'est magique. Alors voilà. J'ai fait un AVC. Je suis hémiplégique et du côté droit, le côté gauche, ça va. Avant mon AVC, ben, je connaissais déjà le haut niveau. Et après mon AVC, ben, j'ai continué ainsi. Même avec un handicap, on peut donner le meilleur. Sans 200, c'est facile. Et la longueur, c'est pas facile. Alors voilà, j'apprends. C'est des techniques, je peux mal faire et mon entraîneur me dit « Ah, c'est pas bon, ok, d'accord, bah, je recommence. » Ben, la ville de Vincennes, j'aime bien. Ça représente quoi pour l'INSEP? Ben, je m'entraîne ici. Ça m'apporte en termes de musculation, de kiné, tout est à disposition et c'est génial. Ben, y a un esprit de camaraderie et le fait de vous entraîner avec des valides et non-valides, ben, c'est quelque chose de bien. J'ai ma famille qui vient, ils sont tous derrière moi, à fond. Mon objectif de ces Jeux, c'est de gagner une médaille. Je ne sais pas lequel, 100, 200 ou la longueur, je ne sais pas. Mais une médaille d'or? Mais une médaille d'or, bien sûr.